Salut tout le monde, c'est Jinzo et je suis là pour Fast and Clip. RNF, parce que team avant et parce que RNF dans le cœur. IC, parce que je préfère me battre avec des gens tous en même temps sur une courte durée. Des gros concours, c'est plus étendu ou c'est moins drôle. Montage à regarder et effets spéciaux à faire. Parce que le montage bien rythmé, c'est bien satisfaisant à regarder, mais c'est pas ce qui m'amuse le plus sur la timeline. Sony Vegas, à tout jamais. Solo. Avant ça aurait été collab, mais maintenant solo pour vraiment créer des ambiances et tout, c'est mieux. Smash, parce qu'il y a le côté présentiel et que c'est vachement plus sympa que LOL. Où t'es tout seul chez toi, c'est vachement triste. EMB, j'ai vraiment aucune affinité avec les maths. ICST, parce que je préfère les IC. Mais là, j'ai pas l'expo, c'est cool parce qu'il y a le côté présentiel. Bâtard, oh putain, c'est dur. En vrai, je pense que je dirais Garrick parce qu'il est quand même vachement plus présent que Silver. Silver, il aime bien passer une semaine, partir et revenir comme s'il n'était pas parti. Même si c'est resté mon leader pendant plusieurs années, tu vois. Mais actuellement, je dirais Garrick. Horreur à faire et danse à regarder. Next Gen, complètement Next Gen. Complètement. Faut avancer. FNAF 1. Parce que FNAF 2, c'est un clip qui se regarde qu'une seule fois. Parce qu'une fois que tu l'as regardé, bah t'as plus la surprise du clip et c'est pas un clip que tu re-regardes. Alors que FNAF 1, il y a plus de rythme, il y a des transis, il y a des trucs. C'est ça, c'est mieux à re-regarder. Du coup, pour le côté longévité, FNAF 1. Steffi. Steffi, les gens le savent. Mais ouais, Steffi et en ce moment, c'est Radical Dreamer, Farix et Gemini, que j'embrasse d'ailleurs. Faites des MV, arrêtez d'attendre les concours. Big up à Chiron si tu passes par là.